Merci, Monsieur le Président de la Commission des Affaires étrangères et de la Défense. Mesdames, Messieurs les sénateurs, est-ce que vous me permettez, Monsieur le Président, de démarrer mon propos par un point qui n'est pas lié à l'examen des crédits pour la loi de finances 2023, mais sur un point d'actualité et rendre compte au Sénat d'une décision que le Président de la République, sur proposition du chef d'état-major des armées ici présent, a pris hier au soir et que je souhaite communiquer à la représentation nationale. Et donc de par là même à l'ensemble de nos concitoyens, au regard de la situation sur le flanc oriental de l'OTAN, au regard de la violence avec laquelle, évidemment, les combats s'inscrivent en Ukraine dans cette guerre menée par la Fédération de Russie, le président de la République a décidé de rehausser notre posture défensive, notre escalatoire, cela va sans dire, sur le flanc est de l'Europe, en déployant une compagnie renforcée de véhicules blindés de combat d'infanterie en Roumanie, ainsi que un escadron de chars Leclerc, et que donc nous continuons dans le cadre de nos missions de défense et de dissuasion, de protection du flanc oriental de l'Europe, d'accompagner évidemment ces pays, notamment la Roumanie, qui est un pays évidemment ami présent évidemment dans l'alliance de l'OTAN, et sur lequel nous devons cette solidarité. Nous allons également continuer à renforcer notre posture de défense en Lituanie, dans laquelle des rafales seront également déployées, et en Estonie, une compagnie d'infanterie légère renforcée sera également déployée dans les tout prochains jours, calendrier entre la fin du mois d'octobre et tout le courant du mois de novembre. Mais le chef d'état-major des armées, évidemment, pourra répondre à vos interrogations. Le président de la République m'a demandé de rendre compte au Parlement de cette décision dans le cadre, évidemment, de nos alliances. Et j'aurai l'occasion d'y revenir jeudi lors de la ministérielle de l'OTAN qui se tiendra à Bruxelles.